Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai mis du temps à lancer le marathon, hein, mais j'ai eu quelques soucis les dernières semaines, veuillez vraiment m'en excuser, hein. Mais me revoilà. J'ai hâte de lancer ce marathon et de retracer avec vous la série Kingdom Hearts dans son entièreté. Voilà comment ça va se passer. Comme vous le constatez, je me suis transformé en une créature très spéciale. Cette créature sera importante à un moment donné dans l'histoire. Si je lance ce marathon, c'est aussi pour les nouveaux venus dans la série, mais également pour moi, me retransporter dans cet univers hein, que j'aime tellement, et bien sûr aussi pour le gameplay si particulier et si unique pour la série Kingdom Hearts, et bien sûr pour les vétérans sur la chaîne, hein, vous êtes assez nombreux, il n'y aura forcément pas de spoilers pendant les lives. Ils se dérouleront sur Twitch avec des horaires bien précises que je vous affiche là. Pour les personnes qui souhaitent découvrir qui sont ces mystérieuses créatures, n'hésitez pas à venir découvrir ça avec nous. Je laisse évidemment le lien de la chaîne Twitch également en description. Le planning sera sujet à changement en fonction de mes disponibilités IRL et je publierai tout changement sur l'espace communauté sur YouTube ainsi que sur Discord et Twitter. Vous retrouverez tous les liens en description. Voilà comment se dérouleront les lives. Je serai accompagné de personnes de la communauté qui seront affublées également de petits avatars. Et on remercie grandement Swan pour la conception des avatars, pour retracer et commenter le déroulement des jeux avec des anecdotes, avec notre ressenti de l'époque et de maintenant. Nous ne commenterons pas les cinématiques pour que ce soit plus agréable pour vous, les viewers. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 seront diffusés en français ainsi que pour Kingdom Hearts 3 avec le doublage de l'équipe de Michio que l'on remercie encore pour le travail effectué. Voilà, je vous laisse sur la miniature qui changera bien sûr avec chaque jeu et on fera toujours un pré-live tous ensemble pour débriefer de l'épisode précédent. Et pour la rediffusion YouTube, elle se fera en un épisode entier pour chaque jeu. Donc une miniature pour chaque jeu, une vidéo pour chaque jeu. Et je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour vous pour la rediffusion avec anecdotes et montage. Je pense que j'essaierai de faire de bons montages pour en faire à chaque fois des vidéos uniques en incluant bien sûr les rapports. Les jeux ne se feront pas en mode difficile hein, ou en level 1 ou débloquer tous les trophées. Hein, je vais pas platiner les jeux. C'est vraiment dans un souci de timing. On ne sait pas quand Square Enix va communiquer sur Missing Link. Hein. C'est vraiment de les faire au plus vite. Hein. De vraiment boucler tous les jeux le plus rapidement possible, mais en incluant chaque élément d'histoire pour que vous ayez vraiment tous les éléments pour la suite de la série. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous donc ce soir à 20h pour le premier épisode sur Kingdom Hearts et que votre cœur soit la clé qui vous guide.